Guillaume les potes, c'est Luc officiel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu fort vu qu'il y a le tracteur qui tourne. Et oui, je viens de vous spoiler un peu. Et oui, aujourd'hui on démarre une petite... on fait un peu de changement sur la chaîne. Donc voilà, maintenant je vais faire un peu de vidéo agricole. Voilà. Donc aujourd'hui je vous amène avec moi RC, avec la RC à dents. Donc pas encore avec la RC rotative. Donc on passe un coup de RC à dents pour commencer à préparer les terrains derrière du labour. Donc là c'est du labour que j'ai fait il y a une semaine. Donc c'est pour ressemer du régras parce que les sangliers sont venus tout ravager. Donc on avait tout du foin, on y faisait du foin. Donc on va semer tout du régras. Voilà. Donc aujourd'hui je vous amène avec moi. Donc aujourd'hui je suis avec le 154 de chez Valtra, donc le N154 et puis une RC à dents, voilà. Voilà. Donc, donc ça permettra de commencer à préparer les terrains pour émietter les mottes de terre avant de semer. Donc pour que ce soit plus facile. Donc voilà. Donc, on se retrouve. Voilà les gars, là on va déplier la herse. Voilà les gars, je viens de me mettre. Donc, je viens de faire mes premiers passages donc, pour bien régler la herse. Donc j'ai un petit réglage spécial à faire, mais ça prenait une minute. Et j'ai commencé un peu à faire aussi les travers pour reboucher un peu les raies de charrue. Maintenant j'ai commencé les lignes. Donc je peux voir ici que du coup ici c'est fait comparé à là. Là c'est encore du labour. Et ici on peut remarquer là par exemple, là, que ça a gratté déjà, mais pas encore assez. Donc en fait parce que là il y a 2-3 trous et je vais en fait plus insister là-dessus. J'ai 2-3 trous à reboucher donc je vais plus insister. Et puis ici j'avais fait mes retournes donc c'est un peu dans tous les sens. C'est normal que ça n'a pas beaucoup gratté. Et j'avance à quoi on va dire 8-9 à peu près pour avoir une bonne vitesse pour bien que ça gratte. Donc, voilà. Donc là par exemple j'ai déjà gratté, on voit un peu, hein, de toute façon c'est déjà retourné. Ben, par exemple là. Là on voit, là ça a bien travaillé, vous voyez, c'est déjà bien, même s'il faut que je repasse un coup parce que la raie de charrue qu'on voit là, elle y est encore. Même si avec la herse rotative ça rebouche un peu, mais ça rebouche pas tellement. Donc je préfère y repasser un coup encore, bien insister sur les raies de charrue pour bien les reboucher. Donc voilà. Donc je vais vous faire des petits plans sympas, donc voilà, donc sur la herse, comme ça. Et donc je vous retrouve à la fin du chantier, donc quand j'aurai fini. Ah oui, et je précise, j'ai les deux coins là, j'ai encore deux coins dans le fond. Donc voilà, là il y a un petit peu à faire, donc voilà. Regardez-moi ça, les corbeaux aussi. Et après, on va pouvoir semer avec ça. Il y a une centaine.
voilà les potes, donc je viens de terminer donc, les champs là. Je viens de terminer. Donc voilà, il y a toujours autant de corbeaux, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Et donc j'ai terminé là. Et là je vais rentrer chez moi. J'ai une grande parcelle à commencer à préparer pour semer le maïs. Donc là on va commencer à. Donc je vais commencer à hercer. Je terminerai demain. Et je fais peut-être quelques plans là dans l'autre parcelle. Donc si vous ne faites pas de plan, donc je vous demande de liker ce vidéo et dites-moi si ce genre de vidéo, donc les vlog farm vous plaisent. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et je pense que j'en ferai beaucoup plus des vlog farm parce que je pense que je serai peut-être plus adapté à ça. J'arriverai peut-être à faire plus de vidéos, sortir plus de vidéos par mois. Donc avec les vlog farm qu'avec les vidéos de pêche et autres. Donc voilà. Voilà, sur ce les gars, si vous ne faites pas de plan, je suis au Baximer les gars.